vous demande quelles sont les affirmations justes concernant le Neisseria gonorrhoeae, qui est donc le gonocoque. C'est un germe qui est un coxygramme négatif, un coxygramme puisque gonocoque est négatif, comme tous les Neisseria, comme le Neisseria meningitidis, qui est le méningocoque, qui est également un coxygramme négatif. C'est un germe qui n'est pas intracellulaire, hein, qui est extracellulaire, et qui devient de plus en plus résistant. Il y a des cas décrits de gonocoques résistants à tous les antibiotiques connus. Et en particulier, il y a une résistance en augmentation au fluoroquinolone, qui est un traitement qui est assez efficace, et des cas de gonocoques résistants au C3G, qui ont été décrits et qui doivent vous faire suspecter chez un patient chez qui votre traitement par C3G n'est pas efficace, qu'il peut y avoir des résistances, et donc éventuellement mettre en route un traitement de deuxième ligne.